Catherine Couturier, oui, quelles sont vos propositions pour attirer des médecins en Creuse? Mais il faut effectivement, comme vous l'avez précisé, il faut réguler l'installation des médecins à l'échelle régionale. Je le précise, ce n'est pas au service de l'État ou l'ARS à régler cette problématique, c'est à la profession d'avoir un équilibre sur l'installation des médecins. Mais je tiens aussi à dire que dans le programme du Rassemblement national, et donc dans le programme de M. Bartholomé Lenoir, il y a cette notion de ne plus laisser les médecins d'origine étrangère s'installer. J'ai rencontré les médecins d'origine étrangère qui l'ont dit clairement. Si le Rassemblement national passe, nous quitterons le département. Il y a exactement 36 dentistes sur le territoire et ils sont 17 d'origine étrangère et qui quitteront le département. Là, on parle de l'installation en médecine libérale, mais la santé, c'est l'hôpital public. Là, on est sur la question du budget de la sécurité sociale et des moyens pour faire fonctionner nos hôpitaux, améliorer les conditions de travail, prendre en charge les patients correctement. Et donc là, dans le programme aujourd'hui de M. Bardella, il n'y a pas les moyens nécessaires au service public et à l'hôpital. Et donc, il faudra bien revoir la question des moyens, des recettes de l'État pour pouvoir satisfaire l'hôpital public.